Bon allez, donc là je vais aller me changer, je vais aller aux écuries, je vais vous filmer un petit peu le unboxing et la petite séance, et ensuite je vous ferai donc la petite routine d'après-séance. Je dois aller aussi à la sellerie pour chercher la nouvelle couverture d'Ali, puisque celle qu'il avait, la Equitem bleue, elle était en fait c'était un mauvais colis, et du coup devait y avoir un défaut sur la couverture et elle a pris l'eau. Ce qui fait qu'Ali s'est retrouvé tout mouillé, trempé, il tremblait et tout. Donc ça, c'est super mauvais pour les chevaux. Donc on a demandé d'avoir un remboursement ou quoi. Et elle nous a gentiment dit qu'elle allait en reprendre une. Donc ça, c'est super. Donc on doit aller la chercher. Elle est toute neuve. Donc c'est génial. Bon, du coup là je suis en train de mettre l'ensemble que je vais mettre dimanche pour voir si ça fait joli. Du coup ce sera le bonnet noir, guêtre noir, tapis rose et ce sera avec mon polo rose pâle. Comme il fait chaud, on sort les polos à manches courtes. Mon petit cucu. Oula, attention. Ok. Hors flasque tout ça là, hein. Mon mignon, mon petit chat. Mon petit boulou. Mon petit beau, tu es plus beau. Tu viens? Allez. Une grande, allez. Allez, une grande. Une mieux. Une mieux. Ouais, le côté, il a fait mieux. Allez, une grande. Vas-y, fais-moi une belle jambette. Allez, vas-y. Non, une mieux. Une mieux. Allez. Voilà. Oui, j'ai bien petit kiki. Thank you.
Allez, après avoir fait une bonne détente comme vous avez pu le voir, on fait donc le petit parcours. Donc je le saute d'abord dans l'autre sens parce que je ne l'avais pas encore fait. Et ensuite, on s'élance sur le parcours et comme j'étais pas du tout concentrée, alignée pas allée, voilà, il commence à plus trop me laisser droit à l'erreur. Donc faut que je sois vraiment bien concentrée et que je sache où je vais aller. On y retourne, ça passe nickel. J'avais mis de façon à ce qu'ils prennent une longue derrière. Hop, l'obstacle derrière. Bon, il a fait un petit peu de près, donc il a un peu tout fait tomber. Et comme je devais le passer dans les deux sens, j'étais obligée de recommencer. Donc on reprend. Là, il m'a fait une bonne longue. Et du coup, il a pris l'Auxerre vraiment de loin pour pas se faire avoir. Ici, la courbe était très serrée, donc du coup, j'ai décidé de pas y aller parce que j'y suis vraiment allée très mal. Et du coup, là, comme je lâche pas assez les postérieurs, il fait la barre. Ensuite, on fait la ligne en descendant. Ça allait, c'était pas si mal que ça. Là, j'avais mis de façon à faire une bonne petite galopade pour qu'il se reprenne. Qu'il reprenne ses émotions parce qu'il était un peu contrarié. Et du coup, on refait l'Auxerre. C'est nickel. Bon, là, j'arrivais plus à l'arrêter, comme d'habitude. Vraiment, lui, à chaque fin de parcours, il est trop trop content. Enfin, il accélère. Je me suis refait un parcours parce que celui que j'avais, ça m'allait pas trop. Mais j'avais pas vraiment d'idées et d'autres solutions. Donc on y retourne. Donc à nouveau l'Auxerre. En deux cette fois-ci, on a fait donc celui-là. Je fais toujours tomber la barre. J'arrive pas à lâcher les postérieurs. Mais j'étais contente parce qu'à la fin de la séance, j'ai vraiment bien réussi. Donc j'ai vraiment travaillé sur cet exercice-là, donc de cette barre-là. Donc ici, j'ai pu lâcher, ce qui fait que j'ai pas fait la barre. Par contre, ici, la distance venait pas bien, je l'avais mal calculée. Ensuite, on va sur l'obstacle de la ligne. Hop, la ligne, il l'a fait très très bien. Franchement, c'était nickel. J'étais plutôt contente. À nouveau, une bonne galopade. Il est content. Il reprend ses émotions, le titi. Et là, on a fait la ligne de bleu et jaune à l'envers. Et il a pas du tout levé les pattes. Franchement, je l'ai emmené très mal. Je l'ai pas assez montré. Donc du coup, il a pas fait gaffe. Donc on l'a refait. Et là, ça allait beaucoup mieux. Ouais, je pense qu'il avait un petit moucheron dans l'oreille. Et du coup, il n'arrêtait pas de se secouer la tête parce que je lui avais retiré le bonnet. Et je pense qu'il va avoir une mouche coincée dans l'oreille. Du coup, ça l'avait saoulé. Il n'arrêtait pas de secouer la tête. Histoire de conclure tout ça, on l'a refait une fois.
franchement, Stéphane, il était vraiment très très bien. Bon, là, je sais pas ce qu'il nous a fait. Il nous a fait un petit stick d'accélération. Ce qui fait que pendant 5 minutes, j'avais plus le contrôle. Mais bon, je l'ai remis dedans, je l'ai remis dans le travail. Ce que j'aime bien faire quand je l'ai plus dans le contrôle, c'est que je le mets dans le travail, je vais lui faire sauter un obstacle. Et du coup, il se concentre, il se dit « Ah, mince !» Il dit « Ah, mince !» Et du coup, bah, il se remet dans le travail très rapidement. Bon, comme il avait très très bien sauté, je l'ai bien fait marcher pour qu'il se détende. Et je l'ai aussi décellé au cas où il avait envie de se rouler. Bon. Il est éclaté là. Je disais là, l'arcade a commencé à être un peu. Ah, il a roulé. J'ai vu juste sur Facebook que ça commençait à 8h30. Et voilà, vous êtes 20 engagés, je crois. Et après, j'ai démonté tous les obstacles pour les ranger. Et voilà. Alors, j'avais déjà répondu un peu à ce genre de questions. Du coup, Ali, j'aimerais bien aller jusqu'en club 1 maximum. Faire un petit peu de club élite, je verrai. C'est pas du tout. En fait, avec Ali, vraiment, depuis quand je l'ai acheté, ce qui était prévu, c'est que je fasse de la club 3 maximum. Il n'était pas censé faire de plus grosses hauteurs. Parce qu'en fait, il avait une tendinite au postérieur droit. Quand on l'a acheté, en fait, il avait une banane et du coup, il était pas censé sauter. Juste, en fait. On savait même pas s'il allait s'en remettre. On savait même pas s'il allait pouvoir être montable quand on l'a acheté. Mais bon, on a craqué, donc on l'a pris. Et du coup, en fait, la tendinite a disparu. Et donc, du coup, on saute et ça réapparaît pas. Donc, on verra jusqu'où on peut aller. Mais vraiment, ce serait incroyable si je pourrais aller jusqu'à de la club élite. Ou même de la prépa de la prépa 1 mètre. Enfin, ce serait génial. Alors, les défauts d'Ali, ce serait impatient, énergique. Après, c'est pas vraiment un défaut parce que c'est assez pratique en saut. Filou, parce que parfois il ne pardonne pas trop mes erreurs et du coup je me retrouve avec des refus. Et après, il en a plein, mais c'est vrai que ça, c'est les deux plus gros défauts qu'il a. Alors, moi je suis en 4e général et Ali il a 12 ans. Enfin, il a eu 12 ans là au mois de mai, donc voilà. Donc, j'ai commencé l'équitation à 3 ans et là j'ai 14 ans, donc ça fait 11 ans. Alors, c'est pas prévu pour l'instant parce que je suis très bien avec Ali et puis ça coûte déjà cher d'avoir un cheval. Mais pourquoi pas en avoir un plus tard quand Ali déjà il vieillira un petit peu et puis quand je serai plus âgée. Enfin, vers mes 18 ans, tout ça, pour faire de la plus grosse épreuve, parce qu'Ali, il pourra pas non plus aller jusqu'à super loin. Donc Ali, il sera pour faire des petites épreuves et de la balade et se faire plaisir, et puis peut-être avoir un cheval de sport pour faire du plus gros niveau, quoi. Alors, quel serait ton métier dans le futur? J'ai l'impression de répondre à cette question 40 000 fois, mais c'est pas grave. Je pense que j'aimerais bien faire un métier dans les chevaux. Sachant que c'est surtout des métiers qui sont pas du tout bien rémunérés. Pourtant l'équitation c'est un sport des plus chers, mais les gens qui travaillent dedans c'est les plus pauvres. Donc franchement je sais pas. Un métier en équitation, ça je le sais, dans le monde équestre, dans le soin équestre, ça j'aimerais bien. Donc quelque chose comme ça. Alors là actuellement officiellement j'ai galop 4, mais ça fait un an que j'en ai passé mon galop 5. Mais vous connaissez galop 5, c'est le pire, vraiment, t'as tous les muscles, les trucs, donc faut vraiment que je me motive, faut vraiment que je le fasse, mais sinon, voilà, finalement j'ai galop 4, mais voilà, on va dire niveau, j'ai galop 5, voilà. Mais bon, au moins, je l'ai pas eu dans un Kinder Surprise.